Alors, salut ma sœur, salut mon frère, bonne année 2023. Je pense que cette année doit être l'année la plus réalisable pour tous tes projets, pour tout ce que tu dois entreprendre. Et ce que tu n'as pas pu faire en 2022, que tu le fasses en 2023. Alors, pour cela, je viens de te parler de la puissance du sang menstruel et de la puissance du sperme. Maintenant, pour connaître la puissance, la mysticité positive, et négative du sang menstruel et du sperme et de vos garnitures et de vos silips et de vos bermidas, je vous invite à suivre le live à partir de ce soir dans le compte wwc20camgang2 où la photo de profil ce sont les rois-mâches parce que là-bas nous allons décortiquer la puissance du sang menstruel et la puissance du sperme en 2023. On va vous montrer les valeurs positives de ce sang menstruel que Dieu vous a donné. On va vous montrer aussi les valeurs négatives de ce sang menstruel. Pour ne pas dire aussi de la nécessité positive comme ça du sperme. Alors, ma soeur, est-ce que tu sais que toi qui donnes du sang menstruel et qui jettes ça dans les bidets, dans les poubelles, toi que ton sperme dans un plastique ou alors dans un truc de protège ou élastique, de, 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 de préservatif, est-ce que tu connais la puissance que tu jettes? Est-ce que tu sais que grâce à ces substances positives, ton ADN, ton liquide d'ADN spirituel, tu peux résoudre plusieurs problèmes avec Alors si tu ne le sais pas, je viens te montrer comme ça en intro, où nous allons plus décortiquer en live dans le compte de wwc 20 où tout le monde doit déjà aller s'abonner pour pouvoir connaître comme ça la puissance non révélée de ce cycle mensuel, de ce sang mensuel, de ce sperme, de votre urine en 2023. Si tu as un problème ma soeur, prends ton sang menstruel. Lorsque ça est en train de couler dans la douche, tu mets un seau. Si tu veux bénir pendant que ça, les gouttes sont en train de tomber dans le seau, bénis tout ce que tu veux bénir. Bénis ton mari. Bénis comme ça tes enfants. De la même façon, quand tu veux maudit, fais pareil. Je dis, ça ne tarde pas. Ça donne des résultats. Maintenant, si tu veux faire des parfums à outrance tellement puissants avec le sang menstruel, ou alors le bain menstruel, ou alors avec ton sperme. Quand tu reçois cela, prends ce sang menstruel, brûle ses garnitures et tes slips ou le bar est noir. Ajoute comme ça un parfum, et aussi avec tu miel. Ou en toi aveugle en donnant comme ça des vœux de bénédiction dans ta vie, des ouvertures, des déblocages. Mon frère ou ma sœur, tu en auras. L'homme qui n'a pas le sperme peut utiliser son urine ou alors son, 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 son.